En raison de la loi des finances 2023 promulguée par le président de la République Paul Biya le 27 décembre 2022 qui fixe l'augmentation des frais du timbre fiscal de 1 000 à 1 500 francs CFA, l'ensemble des pièces à fournir dans le processus d'inscription aux différents examens et concours s'est également vu impacté par cette augmentation. Cette loi entrée en vigueur le 1er janvier 2023 prévoit que chaque candidat aux différents examens relevant de l'éducation de base, notamment le certificat d'études primaires CEP, le FESCO Living Certificate, le concours d'entrée en 6e ou le Common Entrance Examination, va désormais débourser 6 000 francs CFA, presque le double de l'ancien montant, soit 3 500 francs CFA. Face à cette modification plutôt révoltante, les parents poussent des cris de mécontentement et de détresse, d'autant plus que la vie est déjà très difficile, avec des multiples facettes d'inflation de prix qui plombent leur quotidien. Pas facile aussi, tout ne donne pas, le temps est dur, c'est pas facile. On se sent pas, c'est pas vraiment, et on voit pas vraiment qu'on augmente les prix, on va faire comment. Le temps est dur, on ne s'en sort pas, même je suis au marché comme ça là, c'est trop dur pour nous. On vend les chaussures, ça ne donne pas vraiment. Quand on augmente comme ça, là, je ne sais vraiment pas comment on va faire. Vraiment, c'est trop pour nous. Il faut que le service là, voit comment faire pour nous. C'est trop grave pour nous. Oui, vraiment, les frais de dossiers qu'on a augmenté là, vraiment de Dieu, c'est vraiment dur pour nous les parents. Vraiment difficile. Très difficile même. On augmente les frais des dossiers. À nos jours, on ne parvient pas à manger. La boîte du riz à nos jours, c'est 175 francs. C'est pourquoi nous, on part où? C'est pourquoi nous, on avance comment avec ces enfants-là? Franchement, il faudrait qu'on essaye un peu de revoir comment est-ce qu'on peut vivre dans ce pays. Et il y a les enfants à moins de 9 ans qu'on refuse, qui ne composent plus les concours. L'école maintenant, à nos jours, c'est pour les enfants. Quand on accouche, nous, les parents, on accouche maintenant. Tu vois, c'est à croiser l'enfant, fait, il y a la cible. Quand l'enfant fait, il y a le C. Donc, c'est plus nous qui. On va voir aussi, même les encadreurs. Pour les encadreurs aussi, il faut aussi qu'ils soient beaucoup encouragés. Quand on nous laisse, vous dites qu'on va augmenter les frais de scolarité, on va augmenter si le pays va mal, franchement. Une sonnette d'alarme qui interpelle le gouvernement pour qu'il puisse révisiter les perspectives y afférentes afin de remédier à la situation. Sinon, que deviendront tous ceux-là qui usent des moyens les plus ardus pour que leurs enfants reçoivent l'éducation et, en fin de compte, les sorties de la misère?